Est-ce que enseignement témoin Jéhovah est compatible avec la Bible? Il se trouve que témoin Jéhovah croit que la Bible c'est la parole de Dieu absolue et base baser croyance sur sous lui-même. Mais cependant, ça que yo, yo affirmé dans la Bible là, dit contraire par rapport à ça que la Bible lui-même lui enseignait. En nous gardons ensemble de points pour nous garder divergences, qui gagnent en témoin de Jéhovah. E sa ke la Bib di. An gade la Bib dabor. Temwen Jehova yo, yo makiye la Bib na kade yon versyon ke yo genye. Kire le traduksyon du nouvo moun. E loske yo gade traduksyon pa yo wa, al orijin, se pa de eksper nan la Bib ki te fe traduksyon yo. Paske evidans yo plen ansan sa. E yo nan pigou diferans ou kapab joun entre yon traduksyon du nouvo moun. témoins de Jéhovah et l'autre la, bibliothèque, c'est l'utilisation qui ont fait du nom de Jéhovah dans le Nouveau Testament. Par exemple, et témoins de Jéhovah, dit que, en principe, nom bon Dieu, Yahweh, YHWH, c'est lui-même qui a traduit par Jéhovah. Et que traduction que nous venons dans la Bible, qui présentait mon Dieu comme Seigneur, ça, c'est des scribes apostats qui remplaçaient Jéhovah par Seigneur. Mais ça que vous dites, hein, en principe, vous pas une pièce base historique qui arrive à montrer que c'est des scribes apostats qui traduisent Yahweh par Seigneur. Deuxièmement, en tout pour ça qui concerne le Père, le Fils et le Saint-Esprit, témoins de Jéhovah ont enseigné que seulement le Père est Jéhovah, le Tout-Puissant, et que pour ce qu'il s'agit du Fils, Jésus-Christ, ils sont avec des minuscules, les inférieurs au Père, pour ceux qu'il s'agit du Saint-Esprit, les sont forces impersonnelles qui émanaient du Père. Mais cependant, la Bible lui-même lui enseignait autre chose. La Bible enseignait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont partagé même essence et aussi Dieu. Selon Jean 1 verset 1, Jean 17 verset 23, Jean 20 verset 28, Actes 5 verset 3, 4, 2 Corinthiens 3 verset 17, 18, titre 2, 13. Et la Bible enseignait que le Fils, c'est lui-même qui créait toute bagaille, selon Hébreu 1 verset 10 à 12, et tout le monde supposait honorer le Fils comme bon Dieu, selon Jean 5 verset 23, Hébreu 1 verset 6, Apocalypse 5 verset 13. Pour ce qu'il s'agit du Saint-Esprit, la Bible enseignait que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est ça qui fait le consolateur. Il y aurait les lions aides. Ça aurait les paraclitos là. L'y enseigner, l'y parler et l'y rendre témoignage de Jésus-Christ. Selon Jean 14, verset 16, 26. Jean 15, verset 26, 27. Jean 16, verset 13, 14. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la mort, pour ce qu'il s'agit de l'âme et de la punition éternelle, pour témoigner de Jéhovah, tout monde qui passe sauvé sauvé automatiquement qu'il mourit, il suspend d'exister. C'est-à-dire que est annihilé, il ne pas exister encore. Donc pour eux-mêmes, pas qu'ils un état intermédiaire entre la mort et la résurrection, parce que pour eux même automatiquement, les méchants mouru, automatiquement, tout le monde qui n'a pas en Jésus a mouru, tout disparaît, tout le monde est fini. Or, ceci est contraire par rapport à ce que la Bible enseignait. La Bible enseignait que lorsque monde mourit, il y a pour ressusciter pour le jugement. Il y a pour ressusciter. si vous voulez, pour la vie éternelle et d'autres qui pour la honte éternelle. Et c'est ça qui est enseigné dans Luc 16, verset 19 à 31, Luc 23, verset 43, Hébreu 12, verset 9, Hébreu 12, verset 23, Apocalypse 6, verset 9, 11. bet nan ki sa yo fe nan bib bayo traduksyon di nouvo mond te mwen diye yo vayo yo tot siye teks ke nou ven nan luk 23 verset 43 e teks nan pou e kapab evite implikasyon ki di nan teks eboua ki, ki fet an realite ki montre ke mechan li pral soufri yon kunisyon eternel selon matye 25 verset 46 apokalips 14 verset 9 a 11 apokalips 20 verset 10 Qu'en est-il maintenant de la résurrection de Jésus-Christ et son retour Témoins de Jéhovah, ils ont enseigné que bon Dieu ressuscitait Jésus-Christ d'entre les morts, mais il ressuscitait avec un corps angélique, c'est-à-dire avec une sorte de corps-esprit. Et ils ont nié le fait que Jésus-Christ a pu retourner physiquement, personnellement, visiblement. Alors ce que les Écritures ont enseigné le contraire. Les Écritures enseignaient que Jésus-Christ ressuscité avec même corps que le tape même corps là. Cependant, son corps qui transformait, son corps qui glorifiait, son corps qui glorieux, son corps qui immortel. Mais en principe, c'est même corps ça que le tape vivre avec lui qui constituait de chair, de eau, il mains, a pieds et au capable même ouais, ma crucifixion yo non mais Jésus et c'est ça que nous lisons, Luc 23, verset 49, Jean 2, verset 19, 20, Jean 10, verset 17, 18, Jean 20, verset 20, 20, Jean 20, verset 25, Acte 2, verset 24 à 32. Maintenant, il est vrai que Jésus-Christ, c'est deuxième personne de la Trinité, mais cependant, Jésus-Christ c'est un homme glorifié. Selon Acte 17, verset 31, 1 Corinthien 15, verset 47, 1 Timothée 2, verset 5, et Jésus-Christ vient pour le retourner personnellement et physiquement sur la terre, selon Acte 1, verset 9 à 11, Acte 3, verset 19 à 21, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, Hébreu 9, verset 26 à 28. Qu'en est-il du salut témoignez Jéhovah, dans la compréhension par yo, l'amour mort Jésus-Christ pour nous, les libres sont rançons que le pays son rançon que le pays qui fait qu'on y aujourd'hui à nous relaxer. Donc nous parlons bas condamnation péché Adam. Cependant, il y que pour que un monde capable effectivement joigne la vie éternelle, non seulement il besoin accepter rançon que Jésus-Christ payé pour lui mais a même besoin besoin faire preuve à travers les œuvres. C'est-à-dire que faut le faire bons œuvres pour le capable sauver. Et la Bible enseigne un bagage qui différent. La Bible enseignait que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, la grâce seule. et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. En sorte que pas grand prérequis que nous avons besoin de faire pour ça, mais c'est tout simplement c'est grâce que bon Dieu fait nous lorsque nous mettons confiance nous dans petit Jésus-Christ. Selon Romains 3 verset 21-28, Romains 5 verset 1 à 11, Ephésiens 2 verset 8 à 10. Titre 3, verset 4 à 8. Maintenant, sous base de tout constat que nous faisons à travers la Bible, pour ça qui concerne le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour ça qui concerne la mort, l'âme, la punition éternelle, pour ça qui concerne la résurrection de Jésus-Christ et son retour, pour ça qui concerne le salut, Jean, que témoigne témoin Dieu Jérusalem a enseigné, en nette contradiction avec la doctrine chrétienne, il y a une nette contradiction avec ça, la Bible enseignait. Et donc, dans ce sens ça, nous sommes affirmer que l'enseignement que nous jouons dans le témoin de Jéhovah est incompatible avec ça que la Bible enseignait.